Salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 3, l'heure est grave. L'heure est extrêmement grave. La Francie orientale est contre nous. Nous ne gagnons pas de beaucoup, seulement de 44%. Il nous manque donc 56% pour arriver à faire la paix, pour récupérer juste cette merde là. Fuck! The fuck! Tout ça parce que nous voulons être roi. Je veux déjà être roi. Pardon. Oui. Est-ce que toi, je peux t'appeler? Ah! En tant qu'allié, seigneur loge ou ses vassaux? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un mec de chez nous, peut-être? Je ne sais pas. J'ai parcouru les documents plus anciens que le comté de Cambrai. Oui, vas-y. Les piécettes. Toujours des piécettes. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Bon, si on arrive à capturer le roi, on peut mettre un terme à cette guerre fratricide. Faction formée contre le roi Eude. Ah. Alors, oui, nous avions une faction contre nous et nous faisions une faction aussi. Ah non, nous l'avions arrêté, c'est vrai. Être indépendant du Seigneur Liege, un membre. Toi, t'es qui? Comté de machin. T'es tout seul aussi. T'as combien d'hommes? 1400. Faction indépendante du Seigneur Liege. Mais vous faites tous des factions d'indépendantisme? Ah, ça, par contre, ça peut m'intéresser. Toi, t'es à combien? T'es à 400 et toi t'es à 3000. Ah, je vais rejoindre cette faction. Comment on fait pour la rejoindre? Évêché, comté, faut aller le voir lui. Demander l'excommunication, prisonnier, demander d'accorder les titres, modifier. Ok, non mais je peux pas modifier le contrat féodal de quelqu'un qui n'est pas sous moi. Soyons un peu... Ah mais c'est moi ! Mais je suis dans cette faction ? Ah non ! Mais non, c'est contre moi ! Je ne comprends pas. Eh bien, nous ne comprenons pas grand-chose. Ah non, c'est... Non, contre moi, je n'ai que eux. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Accusation de sorcellerie. Ah ! Eh bien, les paysans seront satisfaits. Gagnons un peu de dévotion. Nous sommes contents. Nous pouvons extorquer les sujets encore ou pas? Ou c'était mon... Non, c'était mon père, je crois. Oui. Nous ne pouvons pas extorquer les sujets. Nous sommes quelqu'un d'honnête. Conjointe, une occasion en or. Monseigneur! Dit Burchard, qui avance jusqu'à moi en souriant et sourit passionnément. J'étais approché par la duchesse, très bien, Ruotilde. Alors, je sais maintenant comment je vais appeler ma fille quand j'en aurai une, je l'appellerai Ruotilde, qui est dans sa grande sagesse suggéré un arrangement entre nous deux. Vous pourriez bénéficier d'une aide financière et moi d'une aide d'une autre nature. Ok, donc elle va se faire troncher. Je suis dégueulasse, mais c'est comme ça. Elle va, en gros, elle va s'envoyer en l'air et on va gagner du pognon. Eh bien, va, ma femme, et rapporte-moi de l'argent. Est-ce que c'est dégueulasse? Oui. Avoir une dette est indigne, remboursons le prêt. Voilà. C'est bien, elle m'a prêté 200 balles pour en redemander 95. Mais oui, bah, écoute, oui. Nous sommes à 50%, très bien. Émirat de machin, on s'en fiche. Bon, vous dépêchez là, je suis censé avoir plein de nagres et tout, quoi. 2,1 par jour, on est toujours à plein de nagres. J'avais rajouté, je crois que nous étions passés au niveau 5 en nagres. Faction formée contre le roi Eude, très bien. Vous pouvez appeler l'allié, vous pouvez déclarer des guerres. Ah! T'as quel âge? Tu as 16 ans. On va te trouver un bon mari. Potentielle alliance, petit royaume de Mercie? Bah oui.
Écoute. Mariage matrilinéaire. Ah oui, non, matrilinéaire, matrilinéaire. Il reste qui en matrilinéaire? Grande cité de Pseu. Cité de Méran. Allez. Il nous faut des mariages matrilinéaires afin que nous puissions agrandir notre famille. Ok. Pourquoi je prends des dégâts? Parce que j'ai pas pris la cité qui est là, c'est cela? 11 balles, très bien. Non, parce qu'il me reste l'évêché de là, peut-être. Nous n'avons pas d'ennemis sur nos terres. Je ne sais pas où est le roi de Francie orientale. Cela m'inquiète un petit peu. N'oublions pas qu'il avait grossi d'un coup suite à une certainement un héritage. Mais ça, ce sont pas les armées de. Oui, il n'y a pas d'armée de Jacky Lafritte. Ah, bah les v'là, les armées de Jacky Lafritte. Non, ça c'est une armée hostile, mais c'est qui lui? Est-ce qu'on sait pour qui il se bat? Tu es un vassal? Ah, tu attaques le roi? Très bien. Bah, attaque-le, hein, moi je veux dire. Tant que vous le faites, tant que vous l'enquiquinez, moi ça me va. Écoutez, on est à 74%. Ils vont pas reprendre mon siège, ils s'en vont, très bien. Prenons ceci. Est-ce que tu veux bien accepter les demandes? Tu refuses. Très bien. Eh bien, que la guerre continue, mon ami. Vous êtes 66. Très bien. Alors là, les gars, vous allez faire des éclats. Très bien. Allez, faites un siège à 66 contre... nous, nous sommes 400. Hein. Donc vas-y, mon gars. Je te regarde faire. Moi, je finis ce siège-là et je viens te dire bonjour après. Après, il y a la baronnie de Spire aussi. C'est un peu dommage dans Crusader Kings par rapport à Europa. À Europa, quand on vous attaque, on peut prendre plus. Et que dans CK3, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si vous demandez le duché de Brabant ou le comté de Brabant, vous ne pouvez avoir que celui-là. Vous ne pouvez pas avoir plus. Dans U4, on pourrait prendre toute sa vie, sa femme, ses enfants, son argent. Là, non. On peut prendre que ce qu'on a demandé. Mais bon, c'est le jeu qui est ainsi. Qualité décente. Ah là là, ça pue. On est quand même passé de notre premier dirigeant qui avait une qualité d'élite à une qualité décente, quoi. À eux, par contre, c'est de la qualité de caca, apparemment. Très bien. On est à 94%, ça va monter tout seul. Quand on sera à 100%, il voudra et il lâchera tout. Sa vie, sa femme a obtenu le trait enceinte, ce n'est pas moi le père, on le sait. Elle a été me rapporter de l'argent. On se demande en quoi faisant. Oui, on peut appeler Italie, Suède. À l'offre de Geldre, la revendication du comte Louis. Ah oui, mais non, ça me coûte trop cher. Ça me coûte trop de prestige, mon ami. Moi, je voudrais devenir indépendant. Est-ce que je peux, si je vais voir mon seigneur Lige, proposer de rejoindre la guerre? Très bien. Mais non. Mon seigneur Lige, envoyer un cadeau autre, proposer la tutelle modifiée, transférer un vassal, créer une faction d'indépendance. Adopter la foi. Je vais créer une faction d'indépendance contre mon roi, voir si des gens la rejoignent. Construction achevée à Cologne, très bien. Plus d'argent. 21. Très bien. Mes troupes sont où? Elles sont là, mais ce n'est pas fini. Ah non, c'était le siège de là. D'ici, très bien. 99%. On va quand même attendre d'avoir fini ce siège, hein, le siège de Spire, même si nous sommes à 100% pour gagner plus d'argent. Votre conseiller meurt. Non, Bobby! Toi, tu seras ma nouvelle conseillère. Tu dois certainement être une vassale puissante. Ok, attendons d'avoir fini le siège de Spire pour gagner plus d'argent, 23 balles de plus.
Oui, ne vous inquiétez pas, voilà, merci. On disperse tout. Les armées au-delà de la limite de domaine, je sais. À tout. Temps de construction des bâtiments et des propriétés. Très bien, mais écoute. Très bien, au-delà de la limite de domaine. Alors, c'est ça certainement. Seras à. Au conseil, j'ai qui? L'évêque, je peux pas. Chancelier, bourgmestre Sophie. Est-ce que je peux lui... hop. Toi, tu obtiens la ville de Brabant. Est-ce que tu es contente? Oui. Pourquoi je suis toujours au-dessus de ma limite de domaine? C'est fou. C'est fou, c'est fou. Ça, c'est à moi? Non. Ça, c'est pas à moi. Ça, c'est pas à moi. Ça, c'est à moi. Non. Ouais, mais je vais pas tout donner. Ouais, hop. Fuck it. On sera un peu au-dessus. C'est pas grave. Un dirigeant voisin, c'est très bien. On s'en bat les reins. Chaque courtisan a obtenu 10 d'opinion. Très bien, nous sommes contents. Des pâturages et des levées. Ah, ça peut être intéressant, ça. Fini par quoi à la fin? Taux de renforcement des levées, taille des garnisons, limite d'approvisionnement, levée plus 200, opinion populaire, résistance. Oui. Construisons ça, mon ami. Nous avons créé une faction contre notre seigneur Liege. Indépendance. Et pourquoi elle, impossible de rejoindre ce type de faction? Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas rejoindre une faction et personne ne veut rejoindre la mienne. Mais si moi je décide, je veux rejoindre par exemple cette faction, pourquoi je ne pourrais pas? Je ne sais pas. Il y aura une guerre civile, le chef de faction est un joueur, donc les demandes peuvent être envoyées, même si le seuil de mécontentement et de la puissance militaire de la faction ne sont pas atteints. Puissance militaire de la faction, 64%. C'est-à-dire qu'on est... Ah oui, mais on peut clairement le... Attends. La Flandre est indépendante. Oui. Si puissant. Vous devriez accorder bonne à quelqu'un. Pourquoi bonne? C'est un truc. Ah, il ne me rapporte rien, bonne. Bien oui, nous l'accordons à quelqu'un. Désolé pour le cri de joie. Très bien. Vous pouvez créer le royaume de Lotharingie. Nous allons peut-être créer notre propre royaume, hein, le royaume des Flandres. Yes, on est indépendant. Nous l'avons fait. Notre but, je le rappelle, était de devenir indépendant. Nous y sommes parvenus. Maintenant que je vais créer bientôt, oh, regardez-moi tout ça, oui, tout ça, c'est... Oh oui, très bien. Le bas, on s'en fout. Alors, attention, maintenant si on attaque la France, on attaque le roi de France, hein. Mais le bar, il a l'air d'être tout seul. C'est qui ton seigneur? T'as pas de seigneur Liège. Est-ce que je peux t'affronter? Nous n'avons pas de casus belli contre le duc Lothaire II. Alors, on va regarder un petit peu contre qui on a des... La comtesse... Très bien, guerre sainte pour un comté, pour un duché.
Tu es très inférieur à nous. Pourquoi je ne peux pas? Parce que je n'ai pas assez de dévotion, c'est ça? Mince alors. Mais pour un comté, je pourrais. 80 pour ça, très bien. Alors, on pourrait faire ça. Suède. Mais ça, voilà, ça me paraît la mort. Donc ne le faisons pas. Augsbourg. Augsbourg. Ah, on pourrait continuer à avancer par là, mais ce n'est pas très intéressant. Nous, ce qu'on voudrait, c'est aller par là. Reims. Alors, là, c'est la mort. On est en guerre contre le monde entier, je ne sais pas pourquoi. Contre Reims, on sera en guerre contre, voilà, contre le monde entier. Je ne comprends pas, ça n'apparaît. Voilà, il y a des bugs, je pense. Un petit peu. Bah toi. Toi, mon gars, par contre, voilà. Alors, on nous a dit que c'était lui. Alors, hop, tout transféré ici. Alors, par contre, toi, tu es de quelle foi? C'est une guerre sainte, donc tous les membres de sa foi pourraient venir. Ta foi, c'est quoi? Alors, galant, ouais. Ta foi, tu es Astaru. Astaru, foi nordique, réforme, vertu péché, chef de la foi aucun. Donc personne ne pourrait venir parce qu'il me semble que c'est que le chef de la foi qui peut venir. Dans ce titre ciblé, tous les titres détenus par des dirigeants sont saisis, tous les dirigeants catholiques seront vassalisés par vous. Un titre de rang, les comtés toujours propriétaires, guerre sainte, type particulier de guerre menée par un dirigeant contre un dirigeant d'un autre foi. Les guerres saintes sont assez destructives puisque le vainqueur s'empare habituellement de tous les comtés de la zone ciblée. Cependant, la foi de l'attaquant est pluraliste, où le défenseur a des vassaux dans la cité. Les dirigeants de la foi ciblée peuvent se joindre, mais il n'y a pas de dirigeants de la foi. Tout lever. Et on y va. Allez-y. Go, 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 go. Oh non, de Dieu! Vous êtes envahis. Au nom de Dieu. Dieu. Et Jésus-Christ vous intime l'ordre de devenir catholique. Oui, Dortmund, tu deviendras catholique et tu mourras libre. En effet, le catholicisme est la meilleure des décisions. Très bien, nous avons deux filles. Nous avons deux filles. Eh bien, Béatrice et Christine, c'est très bien. N'oublions pas cela. Vous pouvez créer le royaume de Lotharingie, on sait. On va tout faire pour pouvoir extorquer nos sujets. Et si on peut extorquer nos sujets, on fera tout pour atteindre les 500 balles et gagner le droit d'avoir notre propre royaume, le royaume de Flandre. Oui. Et ensuite, nous déciderons ce que nous ferons, si nous continuons le let's play ou non. Apparemment, le roi de France s'est pissé dessus quand il nous a vus débarquer avec nos gros souliers. Quand on est arrivé, on a fait « Eh, Eudes, moi, je suis indépendant. » Et le roi Eudes, il a fait « Oui, oui !» Il s'est pissé dessus, ta fiole. Voilà, hop, ainsi soit-il, cassez-vous. On disperse tout. On est au-dessus de la limite de domaine, on le sait. Dortmund, tu vas aller à. Toujours au conseil. Un membre de mon conseil, comte Alberich. Tu n'aimes pas. Comtesse Ideburg. Comtesse Ideburg, tu es à 13. Déjà, on va descendre. Les personnages à 13. Tu es maintenant
comtesse aussi de Dortmund. Oui, je fais n'importe quoi avec mes vassaux, mais c'est pas grave. C'est très bien ainsi. Alors, Wessex. Ça me paraît être un petit peu le bordel. Alors, si on pouvait tellement faire ça, là on récupérerait tout ça. Mais nous ne pouvons pas. À tes souhaits. Ok, ouais. Ce serait un peu embêtant d'aller chercher tout ça. De Wiss. Oh, mais tu es allié à la France, mon ami. Mais oui, tu es allié à la France. Après, la France a l'air très très faible. Ouais, ce serait pour aller récupérer ça. Pff, pas très intéressant. Augsbourg, on sait. Ce serait pour récupérer ça, mais pas très intéressant. Ce qui serait intéressant, ce serait peut-être le duché d'Augsbourg, ici. Mais pas très intéressant, parce que nous n'avons pas, nous ne sommes pas fidèles. Donc nous ne pouvons pas le faire. La Suède, non. Geldre, non. Des titres peuvent être créés. Royaume de Lotharingie, duché de Basse-Lorraine. Ouais, mais ça nous coûte de l'argent. Et nous, on veut pas gaspiller notre argent, parce que nous voulons créer notre propre royaume. Et pour créer notre propre royaume, nous devons faire ça. Illustre. Ok, et il nous manque un duché. Et notre niveau de gloire est à illustre. Établi, alors... Non, illustre, ah ouais, ce sera très très long. Allons chasser pour devenir, nous rapprocher de illustre. C'est parti. Toi, t'es tout seul ou pas? Oui, tu as l'air d'être tout seul. Ah non, t'es allié à Jacques de Dijon. Ah, le bar. Le bar, lui, on peut faire une revendication sur lui, par contre. Jackie va faire une revendication sur notre ami du bar. Comme ça, on en sera à 30 prisonniers capturés lors d'un siège. Très bien. Est-ce qu'on a donc, nous avons des prisonniers à vendre? Toi, sors de prison. Bien, sors de prison. Toi, oui, sors aussi de prison. J'en ai marre de vous avoir dans mes geôles. Vous puez. Cassez-vous. Alors, nous sommes en pause. Très bien. Vous obtenez 105. Oui, bah oui. Cela pourrait être la créature d'un mythe. Peut-être une divinité sous la forme d'animal. C'est en tout cas le plus grand sanglier que je n'ai jamais vu. Nous pouvons encore poursuivre la bête pendant une demi-journée, même gisante devant moi, elle est impressionnante. Je vais en obtenir un bon prix. Tant d'opinions de vous, le pape obtient... Mais non, on va gagner de l'argent. Vous avez obtenu hameçon de type... Oui, très bien. Alors, pourquoi gagner de l'argent? Parce qu'il nous faut 500 balles déjà pour... Il nous faut 500 balles pour pouvoir faire notre propre royaume. Donc déjà, ça va nous rapporter de l'argent. Et votre chasse prend fin. 150, nous approchons de illustre. Il nous faut être illustre et 150 balles. C'est donc des choses assez intéressantes qu'il nous faut faire. Faction formée contre vous. Aix-la-Chapelle, très bien. Qu'est-ce qu'il veut? Que veut-il? Aix-la-Chapelle. Oui. Exige d'être indépendant. Écoutez, vous me faites pas peur. Faction forme. Oula, mais forme 12 et faction contre moi. Ils veulent tous être indépendants, en fait. Très bien. Mais c'est bien, parce que plus ils forment de factions éparses, moins ils sont concentrés. Et donc, moins ils sont concentrés, mieux c'est pour nous. On peut. Ok. Ouais, mais c'est pas pour moi. Donc, ce n'est pas très intéressant. Convertir le comté. Quel comté n'est pas converti? Bruges? Ah oui, ils sont vaudois. Très bien. Bien, Bruges, plus tard, tu seras chrétien. Ok, 5000. Eh bien, très bien. Eh bien, formez-vous, les gars. On pourrait augmenter hein, ces tailles-là, mais nous avons besoin de 500 balles. Ne l'oublions pas. Il me faudrait tellement plus d'argent. N'oublions pas qu'on a donné 170 balles à cet imbécile-là. J'espère qu'il va nous donner de l'argent plus tard, le pape.
alliance expirée, très bien. Cambrai, on peut l'attaquer? Ou pas? Est-ce que je peux t'attaquer? Non. Je peux pas attaquer Cambrai? Mais il me semblait que j'avais fait une revendication sur toi. Qui es-tu? Hein? C'est encore pété? Ah non. Oui, ça appartient à la France. Okay. Toi, est-ce que je peux te déclarer la guerre? Déclarer la guerre, pourquoi? Alors, oui, je sais, je suis toujours en trêve. Hein. Ça brisera la trêve, ouais. Et il a que 166 ans. Il est vraiment à poil, quoi, le roi de France orientale. Ok, il nous faudrait 500 balles et plus de prestige. Comment obtenir plus de prestige? Ça, ça me donnerait du prestige. Hein. De créer un duché de plus. Pour 250 balles. Oh, plus 15 balles, oui. Tellement bien. On ne s'ennuie jamais. Enfant chahuteur. Mais très bien. Au prochain mois, on peut créer un nouveau duché. On aura l'argent. Et ça nous donnera 300. C'est pas mal, hein. 300 de prestige. Ça nous fera encore plus avancer vers ça. On va le faire d'ailleurs. Le duché, le royaume, on peut pas parce qu'il nous manque 500. Mais j'ai pas envie de changer de nom pour devenir la Lotharingie, quoi. C'est un peu pitoyable. Créons le titre. Voilà, nous créons le titre. Et voilà, je suis encore une fois duc de plus. Plus de duc, on s'en fout. 1800, on est à la moitié, très bien. Oui, tout ça, on le savait, ça n'a pas changé. On peut toujours créer le royaume, mais on va aller taper le bar. Comme ça, on sera à 30, on pourra créer notre royaume. Et on sera bien. Augmenter l'opinion, oui. Toi, pourquoi ? 300 points d'expérience en mode d'intendance. Bien oui, merci. Très bien. Très bien. Hein. En tout cas, nous sommes contents. Nous sommes indépendants. Nous avons réussi une bonne partie de nos... Vous acceptez l'invitation ? Bah oui. Nous avons réussi une partie de nos objectifs. Deuxième partie, c'est de créer un royaume. Le royaume de Flandre. Et ensuite, d'aller... Regarde. Non. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons tolérer cela. Mon ami le baron et mon ami Arblight sont de Bretagne. Nous ne devons pas laisser la Bretagne rester suédoise ou danoise. Nous allons donc partir en croisade. Cette croisade fera prendre ceci, la Somme, la Picardie, puis la Normandie, car les Normands ne peuvent pas rester en dehors de la lumière. Ils doivent redevenir de bons chrétiens et donc des Flamands. Puis, bien sûr, Jersey ne peut pas rester, devra être flamande. Car Jersey ne peut pas être anglaise. C'est impossible. Puis nous arriverons ici. Et nous libérerons la Bretagne. Oui, nous libérerons la Bretagne. Car nous sommes en guerre. Et que nous ne pouvons laisser la Bretagne devenir suédoise ou danoise. Non, nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Une fois que nous aurons entêté la France de toutes ces zones... Très bien, 75 de prestige, continue à me donner du prestige pour que je sois illustre et que je puisse créer mon royaume. Cela me va me scier. Une fois que la France, nous lui aurons pris tout ça, hein, quand même, hein, il faut suivre un peu les fleuves, eh bien, nous serons plus puissants qu'elle et nous pourrons finir de l'écraser. Et nous deviendrons seigneurs, empereurs de la Flandrie. Vous pouvez emprisonner légalement, ça ne m'intéresse pas.
Moi, je veux devenir roi. Ce sera l'objectif de ma vie, de la vie de cet homme de 22 ans, de devenir roi. T'as tiré ton coup? Non, toujours pas. Eh bien, pauvre petit, ta femme, voilà, pour 95 balles, voilà, hein, pour 95 balles, elle a été, hein, toi, tu pourrais un peu aussi, voilà, hein, pour moi même, hein, pour un peu de prestige, dirons-nous. Je m'en conviens, je m'en, je, ça me conviendra, voyez-vous. Bien, toi, tu vas, ah, en plus, t'es dupe, donc ça me coûtera moins cher de te taper dessus. Le duc de trop d'une petite ville, d'une baronnie et d'un évêché. Ah ouais, nous allons te casser le cul. Tu le sais, ça, que tu vas te faire casser le cul. La Savoie et le Bénévent. Atout d'intendance disponible. Développement de la capitale. Plus de collecte d'impôts. Non, mais j'ai pas besoin d'acheter. Ah oui, attends. Attendez. Je peux exiger des paiements pour des hameçons. On m'a dit que je pouvais l'emprisonner, elle. Alors, toi, ma petite, est-ce que je peux te demander de l'argent? Autre. Demander une revendication. Assassiner, emprisonner, modifier, accorder des titres. Eh ben non, je ne peux pas te demander d'argent. Pourtant, j'ai un hameçon contre toi. Bien. Tant pis. Oui. Eh bien, très bien. Des terres agricoles inexploitables. Nous arrivons à nous y faire. C'est où extorquer ces sujets déjà? Notre roi. Notre roi, je veux voir mon personnage, ma fiche de personnage. Oui, l'intendance, mode de vie. Édition intérieure, martial, intendance. Pour gagner beaucoup d'or, oui. Ah, on peut pas les voir. Tiens, tiens. C'est un peu bête, ça. Où est-ce qu'on peut les voir? Peut-être là. Catholicisme. Nous sommes toujours catholiques, hein, évidemment. Ajouter des lois. Ah oui, maintenant on peut. Ah oui, bah oui. Les hommes seulement. Préférence. Élection féodale, c'est quoi? L'opinion des vassaux. Dirigeants et tous les vassaux directs de jure. Et la proche famille, non, on n'aime pas ça. L'opinion des vassaux. Pas les développements, le domaine. Tanistrie. Le titre peut être désigné un héritier. Mais Taniste. Ajouter des lois. Détruire le titre. Ah oui, on peut détruire des titres maintenant aussi. Mode de vie, voilà. Extorquer ses sujets. C'est ça. Je dois aller là. On va aller extorquer les sujets pour aller à la chasse et gagner de l'argent. 944, donc 4 ans. Ça fait quoi ça? Nya, 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 nya. Pour augmenter l'opinion, ouais, mais ça ne dit pas si ça peut nous apporter des prestiges. Parce que moi, en fait, ce qu'il me faudrait, c'est du prestige et du pognon, en fait. Et une fois qu'on aura les deux, on sera bien. Le prestige et le pognon, mais l'épisode a assez duré. Une grande avancée. Aujourd'hui, la Flandre est indépendante. Oui, enfin, nous le sommes. Nous sommes indépendants. Le roi Eud a lâché du lest. Il s'est pissé dessus comme une petite fille, comme une petite pucelle entourée par 12 mecs dans une ruelle sombre la nuit. Oui. Et donc ça fait qu'on gagne plein de thunes. Et ça c'est bien. Plus 1,36 par mois car nous sommes ducs et 33 membres vivants, mais bientôt nous serons rois. Et oui, nous serons bientôt rois. Une fois que nous serons illustres, est-ce qu'on peut savoir quand est-ce qu'on passe dans 1000 de prestige, très bien, on sera illustre, et il nous faudra 500 balles
Mais ça, ce sera bien. Eh bien, très bien. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. Nous sommes la Flandre libre. Oui, maintenant nous allons devenir le royaume de Flandre. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Crusader Kings d'Est. Non, ça ne veut rien dire. Très bien. Allez, bye bye.